Dans le monde du football, à quelques exceptions près, ce sont les titres et les records qui forgent les légendes. Si certains ont marqué l'histoire avec des buts à l'appel, d'autres ont laissé leur empreinte sur les bancs par le nombre de trophées qu'ils ont amassés. Dans le deuxième registre, plusieurs grands noms du football peuvent s'enorgueillir d'une collection longue comme le bras. Qui est le coach au palmarès le plus long de l'histoire? Nous tenterons de répondre à cela dans la vidéo du jour. Voici donc 10 entraîneurs de football les plus titrés de l'histoire. 10. Walter Smith, 21 titres. Walter Smith OBE, né le 24 février 1948 à Lanark et mort le 26 octobre 2021, est un footballeur écossais devenu entraîneur. En janvier 2007, il quitte le poste de sélectionneur de l'équipe d'Écosse pour devenir manager des Glasgow Rangers, un poste qu'il avait déjà occupé de 1991 à 1998, remportant au passage 7 titres consécutifs de champion d'Écosse. Il fait partie du Scottish Football Hall of Fame, depuis 2007, lors de la 4e session d'intronisation. 9. Giovanni Trapattoni, 23 titres. Giovanni Luciano Giuseppe Trapattoni, né le 17 mars 1939 à Cusano Milanino en Lombardie, est un joueur de football international italien, qui évoluait au poste de milieu de terrain et défenseur, avant d'ensuite devenir entraîneur. Ayant joué quasiment toute sa carrière avec son club formateur, l'AC Milan, Giovanni Trapattoni, dit « Trap », est principalement connu pour être l'un des plus grands et titrés entraîneurs de l'histoire du football, il est l'entraîneur italien le plus victorieux de tous les temps, il reste surtout dans les mémoires pour sa période dorée passée avec le club de la Juventus, dont il reste l'entraîneur de 1976 à 1986 puis de 1991 à 1994. 8. Otmar Hitzfeld, Allemagne. 25 titres. Otmar Hitzfeld, né le 12 janvier 1949 à Lerar, est un joueur puis entraîneur de football allemand. Après des débuts en Suisse, il est longtemps l'entraîneur du Borussia Dortmund, 1991 à 1997, puis du Bayern Munich, 1998 à 2004 et 2007 à 2008, en Allemagne. Hitzfeld est ensuite le sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 2008 et 2014. 7. Jock Stein, Écosse. 26 titres. Jock Stein, de son vrai nom John Stein, né à Burnbank, en South Lanarkshire, Écosse, le 5 octobre 1922 et mort le 10 septembre 1985 à Cardiff, Pays de Galles, officier de l'ordre de l'Empire britannique, est un joueur et entraîneur de football écossais. Il est célèbre pour avoir été le premier entraîneur à remporter avec un club britannique, le Celtic FC, la Coupe des clubs champions européens en 1967. Joueur au talent modeste, il connaît un certain succès en fin de carrière sous les couleurs du Celtic entre 1951 et 1957, puis connaît la gloire comme entraîneur du club de Glasgow. Outre la Coupe d'Europe, il y remporte en 13 saisons 24 trophées nationaux, dont 9 titres de champion d'affilée. Devenu sélectionneur national, il meurt en 1985 d'une crise cardiaque lors d'un match contre le Pays de Galles. 6. Luis Felipe Scolari, 26 titres. Luis Felipe Scolari, né le 9 novembre 1948 à Passo Fundo, Rio Grande do Sul, est un joueur puis un entraîneur de football italo-brésilien. Lors de sa carrière de joueur, il est appelé Felipao. De 2001 à 2002, il est sélectionneur pour l'équipe du Brésil, avec laquelle il remporte la Coupe du Monde 2002. Il redevient sélectionneur à l'occasion de l'édition 2014. De 2002 à 2008, il est sélectionneur de l'équipe du Portugal, équipe avec laquelle il atteint la finale de l'Euro 2004. Comme entraîneur, Luis Felipe Scolari détient le record du nombre de victoires consécutives en phase finale de Coupe du Monde, 11, 7 en 2002 avec le Brésil, 4 en 2006 avec le Portugal. 5. José Mourinho, 27 titres. José Mario dos Santos Mourinho Félix, couramment appelé José Mourinho, né le 26 janvier 1963 à Setúbal, est un entraîneur de football portugais. Surnommé « The Special One », après sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Chelsea FC, en référence aux titres européens consécutifs obtenus avec le FC Porto, José Mourinho est à la fois décrié par certains et adulé par d'autres.
il est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens de sa génération. L'entraîneur portugais est également connu pour son caractère provocateur et moqueur. Il a suivi sa formation d'entraîneur à la faculté de motricité humaine de l'Université de Lisbonne et en est ressorti titulaire du Master Droit, Économie et Gestion du Sport. 4 Pep Guardiola, 30 titres. Josep Guardiola, dit Pep Guardiola, né le 18 janvier 1971 à San Pedor, est un footballeur international espagnol reconverti entraîneur. Il est l'actuel entraîneur de Manchester City. Formé au Barça, Guardiola évolue en tant que milieu de terrain défensif. Il passa la majeure partie de sa carrière à Barcelone, faisant partie de la « Dream Team » de Johan Cruyff qui remporte la première Coupe d'Europe du club en 1992, et 4 titres de championnat d'Espagne consécutifs de 1991 à 1994. Il est le capitaine de l'équipe de 1997 jusqu'à son départ du club en 2001. Après avoir quitté Barcelone, Guardiola passe par Brescia et la Roma en Italie, Al Ahly au Qatar et enfin Dorados de Sinaloa au Mexique. 3 Valery Lobanovski, 30 titres. Valery Vassilievitch Lobanovski, né le 6 janvier 1939 à Kiev, et mort le 13 mai 2002, est un footballeur ukrainien et entraîneur. Il est devenu une gloire du football ukrainien après ses passages sur le banc des équipes du Dynamo Kiev, première équipe d'Union soviétique à remporter une compétition européenne en 1975, et de l'équipe d'Union soviétique. Il se fait alors connaître pour le jeu développé par ses équipes, basé sur une discipline de fer et le mouvement collectif exigé de ses joueurs, inspiré du football total néerlandais. 2 Mircea Lucescu, 30 titres. Mircea Lucescu, né le 29 juillet 1945 à Bucarest, est un ancien footballeur international roumain reconverti en entraîneur. Il est le père de l'ancien joueur et entraîneur Razvan Lucescu. Le 11 février 2019, la Fédération turque de football, TFF, se sépare de Mircea Lucescu, qui était alors son sélectionneur. En poste depuis août 2017, il est remercié après seulement 17 matchs à la tête de la sélection turque à la suite d'une série de contre-performances. 1 Sir Alex Ferguson, 48 titres. Sir Alexander Chapman Ferguson, plus connu sous le nom de Sir Alex Ferguson et surnommé Fergie, né le 31 décembre 1941 à Govan, un quartier de Glasgow, est un entraîneur et joueur de football écossais. Célèbre manager du club anglais de Manchester United de 1986 à 2013, Ferguson a précédemment été un attaquant de bon niveau du championnat d'Écosse puis a entraîné plusieurs clubs écossais, East Stirlingshire, St Mirren et Aberdeen, qu'il mène au sommet européen. Après la mort brutale de l'emblématique Jock Stein dont il était l'adjoint, il est brièvement sélectionneur de l'équipe nationale écossaise.